Yop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic, hein, et je me suis téléchargé un nouveau petit jeu que j'avais envie de choper depuis un bout de temps, mais là il est tombé à très bas prix. C'est Monster Boy, hein. J'y ai joué quand j'étais gosse, c'était trop bien. Et j'ai un doute sur la bécane. Je vous laisse la présente. C'est la grande classe. Voilà, Monster Boy on the Godset Kingdom. Attention. Voilà, jeu d'action, aventure, matinée d'un tout petit peu d'RPG, juste ce qu'il faut. Que du bonheur. Alors, langue française, bien sûr, volume effet. On va peut-être baisser un petit peu. Voilà, la vibration, oui, contrôle. Ouais, je sais pas. Voir PV des ennemis, changeant de magie auto. Non. Oui. Vidéo d'introduction. Je m'en doutais, anglais ou japonais. Ah. J'avoue que l'origine, ça serait plutôt japonais. Hein. Allez. Ok, ça roule. Donc on va juste le tâter du bout du doigt là ce soir. Pas que je me couche trop tard, on n'est pas encore au week-end, mais comme j'ai téléchargé hier soir, je voulais y goûter un petit peu. Le savourer, parce que là je suis aussi sur Valley et j'avoue que Valley, je voudrais bien le terminer avant d'attaquer celui-là aussi. Mais bon. Je me connais. Oh là là, c'est magnifique. Il a été redesigné entièrement à la main. Content. Ah cool. C'était bien que la boue qui volait sur un tonneau. Quelque chose ne tombe pas. Je ferais mieux de m'équiper et de partir à sa poursuite. Ok, c'est parti. Yes. Ah. C'est trop joli. Ah, hallucinant. Je vais prendre mon pied. C'est trop bien. Et ça, c'était, ouais, le checkpoint. C'est parfait. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Alors, il y a la carte en appuyant sur le pavé central. Nickel. On va faire un petit zoom. Ok. Afficher la légende. Vous voyez, il y a ce qu'il faut, hein. Oula, j'aurais peut-être pas dû m'y mettre, Ouah, oh, quel dragon! Désolé, Jean, c'est moi, ton petit frère. What?
Zek, comment t'as fait pour te changer enfin? Tu me croiras jamais. Oncle Nabo a sorti une baguette magique et a transformé tout le monde dans le village. Ouf, je suis pas fou alors, je viens juste de le voir passer sur un tonneau volant. Ouais, c'est lui. Il vole sur un tonneau de nectar royal qu'il a probablement volé au roi. C'est pas bon du tout. Il faut qu'on arrête. T'as vu où il est parti? Il est allé vers le phare. Par devant, je te rejoindrai là-bas, d'accord? Alors, sur la carte, ok. Oh, les musiques! Viens chercher Bonheur. Savais-tu que tu pouvais attaquer tout en étant accroupi? Maintiens vers le bas et pied carré pour attaquer les petits ennemis. Pardon. Raté. Et si on allait dans l'eau? C'est pas une nage très conventionnelle. Ce n'est plus, ça les étourdit, ça, nickel. Matez-moi la beauté du truc. Je peux pas descendre pour le coffre, là? À mon avis, c'est quand on aura une nouvelle capacité, on pourra nager sous l'eau, ou alors, attends. C'est quand même de passer par là, on sait jamais. Ouais, c'est que je suis pas avec le bon personnage. Quand ils en mettent les ennemis, c'est à l'ancienne. C'est parfait. Non, c'est là-bas, en rond-bas, mon pépère. Un checkpoint. Alors, je peux acheter des bottes lourdes conçues pour ceux qui souhaitent explorer les fonds marins. Ah bah oui, bah il faut, hein. Voilà. Appuie sur option pour ouvrir ton inventaire, puis bascule sur l'onglet bottes pour les équiper. Tac. Et bah voilà. Ah ouais. Par contre... on est super lourd. On va peut-être pas les mettre tout de suite. Là, on va les mettre. Allez. Ça va être pour remonter, donc. C'est pas... Allez, on avance. Ah, je peux pas.
sauter d'ici. Oui. Quand il va me falloir une bulle le plus vite possible, voilà. Oh. Nickel. Hop là, je suis arrivé au bout, ça marche plus par là. Ouais. Parce que là, je peux pas grimper, on est d'accord. Comment je fais? Comment je fais? Si j'équipe les chaussures en cuir, peut-être. Carrément, carrément. C'était ça. Ah, faut zapper de l'une à l'autre. Gauche comme ça. Attends, attends, attends. Ah non, non, ça bloque. D'accord. Par contre, on peut peut-être essayer, ouais, de passer par là, finalement. En fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai beau y avoir joué, comme ça change carrément... coffre en dessous là qui est planqué. Ça fait rien. Là, je peux pas passer. Aïe, 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 aïe. On va vite remettre les autres bottes. Je suis en train de crever. Obligé d'avoir un autre perso, voilà, pour pouvoir me glisser en dessous. Il me semble que c'était le serpent. Il n'y avait pas d'autre étendue d'eau là sur la gauche. Ah tiens. Par contre, j'avais pas vu. Je me disais, est-ce que c'est un décor ou alors est-ce que c'est le sol? Non, c'est le sol. Ok, c'est pas grave, on passe à droite. Pour moi, j'aurais eu un filon. C'est toujours ça de prix. Ah, j'ai pas le rythme encore. Non, je saute trop tôt. Hallucinant. Ça va revenir. Oh, c'est frais. C'est exactement ce qu'il me fallait en ce moment. D'air frais, merci monsieur cheveux bleus. Bah bien, je suis désolé, on dirait que mon oncle t'a aussi transformé en monstre. Quoi? Je suis un pépé lobo, pas un monstre. Ce petit complètement fou qui vole sur un baril est ton oncle. Quand je lui ai demandé s'il avait vu une fille aux cheveux verts,
Il m'a balancé dans ce toit en riant. Je dois les retrouver. À la prochaine. Olé. Attention. Non, pardon. Attention. J'ai failli nous réduire en cendres. Oh oh, ça n'était pas là tout à l'heure, par pitié. Dis-moi que tu as un bouclier pour envoyer les boules de feu. Non. Donne-moi une minute, je vais trouver quelque chose pour nous débarrasser de cette créature. Tu as acheté les boîtes lourdes, ouais, ça devrait suffire pour aller explorer ce qui se cache là-dessous. Alors du coup, faut que j'y aille par là. Ah bah, peut-être bien. Et en effet. Ah, ça me dit. On descend. Pas bouger. Merci. Ça m'amènerait au coffre, ça, peut-être. Ouais, génial. Et le bouclier. Ce bouclier est si lisse et lustré qu'il peut renvoyer les boules de feu vers les ennemis. Ah, mais... Faut pas que je bouge, en fait. Et parce que si je donne un coup, voilà, je ne pars plus. Mettez-moi la tortue qui se balade dans le fond. C'est trop chouette. Ah, j'ai plus d'énergie, j'étais à juste côté de la bulle, saleté! Ah. Bang bang. Je sais pas où l'endroit. Quoique je pourrais peut-être s'y sortir par là. Change. Faut qu'il y aura un cœur dedans. Non, santé. Ouf, dommage. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire que ton nom cause vraiment des ennuis. J'aimerais te faire un cadeau. Tu as l'air capable de t'en servir. Merci, mais qu'est-ce que c'est? C'est une truffe magique de feu, voyons. Je l'ai trouvée au fond du tonneau dans lequel j'étais coincé. Tu dois la manger. La manger, mais cette truffe a l'air toute mignonne. Fais-moi confiance, ces choses-là veulent être mangées. C'est pour ça qu'elles sont aussi belles que délicieuses. Tu vois, maintenant tu peux lancer des boules de feu. Malheureusement, les truffes ne marchent pas sur les pépites roses. Génial, faut que je trouve davantage de ces truffes magiques.
Excellente idée. Bon, je dois partir. Si tu croises une fille avec des cheveux verts, dis-lui que je la retrouverai bientôt. Au revoir, monsieur Cheveux Bleus. Super truffe de feu, tes pouvoirs ardents se sont éveillés. Appuie sur triangle pour envoyer des boules de feu qui brûleront les ennemis et certains obstacles. Trouve d'autres truffes pour transporter des boules de feu supplémentaires. Alors j'en ai 5, ouais. Je croyais que c'était pas illimité. Ah, c'était trop tard. Il y a juste un petit milieu à trouver. Bon, tiens, on va aller voir en dessous. Alors, partition de musique perdue, elle appartient à un musicien nommé Oli. A mon avis, ça va pas marcher, mais bon. Non, je m'en doutais. Avec une chaussure en cuir, ce sera plus rapide. Allez, hop. Oui, mais la bulle est en dessous. D'accord. Alors, même les partitions, je sais plus à quoi ça sert. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'ai trouvé le time. C'est quoi ce coffre au fond là? Oh la vache! Eh, c'est mal foutu ça! Écoutez! Oh non, j'ai tapé au moment où il me balance une boule de feu, ça c'est sûr. C'est fatal. Raté. J'ai raté mon petit coup vers le bas. Dommage. Non, vers le bas, bon sang de moi. Ah, récupérer une nouvelle boule de feu, ça c'est cool. Qu'avons-nous ici? Alors, une attaque de feu longue distance qui blesse les ennemis et brûle certains objets. C'est juste pour en racheter, c'est ça? Si j'en trouve sur les ennemis, à quoi faire? On sait jamais. Je vais en acheter, hein. Ça coûte que 2 balles. Si je m'en doutais, ça me recharge juste. Ça améliore pas mon tir de base. Est-ce qu'il faudrait que je tire dedans? Benko. Parce que je crois que je peux aller en dessous de l'eau là. Ouais. Ouh.
Ah, je peux pas y aller. Non, c'est mort. Je sais pas ce qu'il faut. Pas chier un coffre et un arc, carrément. C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits, il faut s'en rappeler. Heureusement qu'il y a la carte. Hein. Oh. Ça va être ma bête morte. C'était quoi ça? Ah ouais, ça se casse la gueule. Ok. C'est bon, ça va. Et on voit pas beaucoup, hein. Pas que j'aurais pu le sauter de là-haut. Attends, on peut revenir. Oh, c'est chaud. Je suis pas sûr de pouvoir. Hein. J'ai pas gagné cette affaire. Non, ça marche pas. Pardon. Pas tousser, pas tousser. Oh, je peux pas le toucher. Faut que je saute au-dessus. J'aurais pu lui donner un couvert dedans, mais c'est vrai, c'est vrai. Sympa. Vers le bas, merci. Ok, faut pas se rater. Ah, raté. En même temps, je voulais aller voir un peu ici. C'est encore un truc pour le serpent, ça. Pourquoi il y a une flèche sur la gauche? Attends. Faut taper dedans. On peut essayer. Si je retombe d'ici. Non. Oh la vache! Ça, c'est pas très juste, hein. C'est pas très sain ce que vous venez. Oh putain, j'ai pas changé de botte. Quel con. D'accord, un coup au-dessus, un coup au-dessus, tout va bien. Je m'en doutais. Putain. Là, qu'est-ce qu'on a? Un délicieux liquide qui rend une partie de tes points de vie utilisée automatiquement quand ta vie atteint zéro. Non. 40 boules en plus. Cool, ça a rechargé mon énergie en plus. Attends-moi. Oncle Nabu est à l'intérieur. Fais attention, il a invoqué des monstres sur ma route. Je t'avais dit qu'il avait perdu la boule. Mais voilà! Qu'est-ce que vous voulez, les morveux? Si vous êtes venu pour ma baguette, vous pouvez l'oublier. Je pense qu'il est temps de rendre cette chose, mon oncle. Tu as déjà causé assez d'ennuis comme ça.
Où est-ce que tu l'as trouvé d'abord? Et pour vous y faire, je vais vous faire regretter de m'avoir suivi, mais avant... Ah, j'ai vite... Vénère. Il me faut plus de nectar royal. Restez hors de mon chemin si vous ne voulez pas voir mes vrais pouvoirs. Ouah, c'est du service cette baguette. Ça aussi, c'est du sérieux. Oh putain. Quelle amargeur. Ouah. J'ai réussi. Ah. C'est vrai que j'ai le feu aussi. Oh, dommage. On va se la refaire, mais là, je connaissais pas le pattern du truc. Attends. Ah oui. Ouf, heureusement. J'ai eu peur. Ouais, les rochers aussi qui tombent. C'est chaud. Comment ils se vénèrent. Oh. Et voilà. Ah, dommage. Putain. De toute façon, il était mort. Oh, les pièces. Waouh, le premier boss, trop bien. Oh, bah, je pense que je vais pouvoir m'arrêter sur ça, alors. Je m'ai dit que je tâterais juste du doigt, et ben, je suis pas déçu. Ah, ça y est, première transformation en plus. Le méga cochon. Trop bien, je suis pas déçu, loin de là, c'est trop cool. Ah là là, regardez-moi. Toute autre ambiance. Comment tu es arrivé dans les égouts? Ouais, je suis un cochon avec un cache-œil en plus. Maintenant, je suis trop gros pour porter mon équipement. L'odeur ici, elle est fabuleuse. À moi, ce super brin va pouvoir m'aider à renifler le chemin vers la sortie. Comment il se déplace? Il est trop mignon. Les égouts. Un classique encore, hein. Mais à l'époque, c'était pas tant un classique que ça, finalement. Vu qu'il date, ce petit jeu. Allez, tchuss mes loulous, on va se retrouver bien vite sur Monster Boy. Tchuss.